3 moyens de perdre du poids sans faire de régime. Ah, comme nous aimerions tous réduire nos lignes de taille et que nos quelques kilos en plus s'en aillent d'eux-mêmes. Attendez une seconde, c'est tout à fait possible. Plus de faim suite à des régimes stricts et après avoir fait du sport à la salle de gym comme un fou. Tout ce que vous devez faire pour vous mettre en forme est de suivre ces 3 différentes astuces. 1, 2, 3, et c'est fait! Le nouveau vous est en route! Voyons quelles sont ces fantastiques méthodes. 1. Une douche contrastante. Cette méthode est assez simple et est souvent accompagnée d'autres procédures. Lorsque vous terminez une douche, faites passer l'eau du froid au chaud en continu. Tout d'abord, vous devez augmenter la température de l'eau jusqu'à 40 degrés Celsius et rester sous l'eau pendant 3 ou 4 minutes. Ensuite, ajustez la température à 22-26 degrés et restez pendant 40 secondes. Pour obtenir de meilleurs résultats, répétez ce cycle 3 à 4 fois. Gardez à l'esprit que vous devez toujours terminer une douche contrastante avec de l'eau froide. Une telle douche permettra non seulement de vous débarrasser de votre excès de poids, mais également d'éviter des maladies telles que l'arythmie, l'obésité, une circulation sanguine faible, l'hypertension primaire et la cellulite. 2. Le massage. Les meilleurs types de massage pour combattre la graisse sont le massage Qiuping par ventouse, l'aquamassage, le massage au miel et les massages aux pinces. Ils aident à enlever la graisse, à améliorer la circulation sanguine dans votre abdomen et à normaliser votre système digestif. Vous pouvez effectuer ces massages vous-même à la maison ou dans des salons. Voici l'un des meilleurs automassages pour se débarrasser de la graisse du ventre. Allongez-vous sur le dos sur une surface plane. Frottez vos mains ensemble jusqu'à ce qu'elles soient chaudes. Placez une main sur votre nombril et commencez à le frotter dans le sens des aiguilles d'une montre. Agrandissez graduellement les cercles avec une pression ferme. Vous devez le faire pendant 1 à 2 minutes avec 30 à 40 cercles. Gardez à l'esprit que vous devez faire le massage systématiquement. 3. La respiration. La règle principale de la respiration gymnastique est d'inspirer et d'expirer avec votre ventre et non vos poumons. Une taille mince, des abdominaux dessinés, des muscles abdominaux forts, tout est possible si vous faites l'ensemble des exercices de respiration. Cela ne prend que 2 minutes par jour. Cette méthode s'appelle le régime à long souffle ou encore « the long breath diet ». Voici les instructions simples. Levez-vous et poussez une jambe vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Placez-vous sur votre pied arrière et détendez vos fesses. Inspirez lentement pendant 3 secondes en soulevant les bras au-dessus de votre tête. Expirez pendant 7 secondes en étirant tous vos muscles. Pratiquez cet exercice pendant 2 à 10 minutes tous les jours pour rendre votre corps meilleur. Avez-vous déjà essayé ces méthodes? Comment ont-elles marché sur vous? Partagez vos résultats et vos objectifs de perte de poids dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Like » et de vous abonner pour rejoindre Sympa.